personnellement, ça me manquait beaucoup, mais je pense que je peux parler aussi de l'ensemble de l'orchestre. Ce qui nous a vraiment manqué, et que là, on retrouve vraiment ce qui nous anime dans notre métier de musicien, ou futur métier de musicien. Les premiers jours à l'OFJ ont été assez variés puisqu'on a pu profiter d'une introduction à l'interprétation classique, d'ateliers sur la posture ou encore le stress. On a commencé les répétitions avec les coachs qui se déroulent ma foi très bien. Et ouais, tempo. J'ai l'impression qu'on stabilise un peu le rythme. Alors qu'au début, est-ce que ça encore une fois, S, 1, 2, 3, 4. Leur métier, à travers, surtout à travers les pupitres et les partiels où ils sont vraiment là pour nous guider et dans le travail. Et c'est extrêmement intéressant. Alors ça, on m'a toujours demandé de le jouer super fort. Ah. Parce qu'en fait, ça fait partie de la mécanique du truc. Il y a le piano qui fait ting-tan-tan-ton-ton-ya. Donc il faut que ce soit vraiment très équivalent, tu vois. Donc moi, on m'a carrément dit joue-le fort, joue-le, voilà. Pas violent, tu vois, mais vraiment qu'on l'entende vraiment au fond. Tu vois, c'est vachement important ce faire. Alors la médiation, en fait, de ce que moi je peux dire, c'est... essayer de faire en sorte que la musique soit vivante, accessible, et qu'on ne se réduise pas juste à faire un concert, mais qu'on essaye de raconter une histoire, de peut-être même mettre en scène une histoire pour un public. On a coutume de dire que le jazz est né dans les communautés afro-américaines du sud des États-Unis à la fin du 19e siècle. La vérité vraie, pure, et nu et pur, et que le jazz est né au Danemark, oui, en 1605 et demi. Au-delà de ça, j'ai un naturel qui peut être parfois un peu timide, et le fait de prendre la parole et de m'affirmer devant un public, qui j'espère sera nombreux, ça me permet aussi à moi de prendre beaucoup d'assurance, et l'assurance c'est important quand on joue de la musique et quand on joue devant un public. On est par exemple en partiel le matin et ensuite on va en musique de chambre, on fait de la médiation, puis après on retourne en tutti par exemple. Et c'est vrai qu'on a des journées très intenses et qui nous apprennent énormément parce qu'on apprend aussi à connaître beaucoup de personnes et ça nous change aussi notre façon de voir les choses. Et puis vu que tout le monde est motivé, ça donne une certaine motivation. À l'OFJ, on apprend à être écolo, donc on apporte chacun notre gourde, on a nos petits couverts, enfin moi j'ai ramené mes couverts, et puis c'est en carton tout ça, on est au top.